Alors, du coup, en on continue avec le chapitre 7. Qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est... Allez, c'est parti. Compliqué. On y va. Et ton frère? Ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Hé, hey, tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non! Je pense que ça, c'était direct. Hé, hey, un moulin! Ouais. On va traverser par là. Wow. Alors, le chemin qui nous attend. Oh! J'adore! Il est toujours... comme ça? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Le premier au moulin a gagné! Hé, moins vite! C'est fermé. Laisse-moi faire. Déception qu'elle a eu quand même que c'était fermé. Elle est géante, ces trous. C'est pour écraser le blé. C'est un vieux moulin. Allez. Continue. Oh, le courant est trop fort. Comment on va faire pour passer? On doit arrêter la route. Et comment on va l'arrêter? Amicia, on va trouver un moyen. Stylé. Mélie, tu peux t'en charger? Vas-y, Hugo. La réflexion, ce que je vois. Ouais. Allez, il n'y a plus qu'à traverser. Amicia, tu pars pas sans moi, hein? J'arrive, Hugo. Je cherche simplement le moyen de te faire passer. J'ai déjà entendu Arthur me dire ça. Mais la roue doit être stable pour que je passe. Amicia, aide-moi à passer et je te donnerai... Bon, on va voir si ça tient. C'est pas aujourd'hui que je prendrai un bain. Je pense qu'on a trouvé. Arrête. D'accord. Et voilà. Tu vois, c'était pas dur. On a trouvé. On a battu le moulin. Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira à coup sûr. Alors.
ça, ça va me simplifier la vie. Pas mal. Pas mal du tout. Essaye de m'impressionner ou quoi? C'est pas comme j'espérais. Non. Bon allez, venez. C'est joli ici. Ça sent la terre. Excusez-moi, je fais un petit truc vite fait. Tac, ça me prend quelques secondes. Hop, capturer. Non, ça, tac. Voilà. L'aqueduc. Lucas est là-bas? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Oh, Micia. Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Bizarrement, j'en suis pas persuadé. Tu sais ce que c'est? Une aubépine, je crois. Une Personne fleur l'aime à cause des épines, mais elle est bonne pour le cœur. Tu en sais des choses. Maman m'a appris. Alors, tu m'apprendras? Et toi, tu m'apprendras à utiliser une fronde? Marché conclu. Allez, on va y revoir l'autre. Qu'est-ce que vous fichiez? Juste un détour. Ça peut te foutre. Amicia. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Viens. Hugo. Hugo, regarde-moi. Ça recommence? C'est ta tête, c'est ça? Ça fait comme une chose qui grossit dedans. Mes jambes. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. Elle tremble. C'est pas la morsure. Oui. C'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang, toi, t'as rien? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Je crois que ça donnera bien, on verra bien. Amicia, j'ai peur. De quoi, Hugo? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. Ta maison? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça? Comme des gibiers de potence, tu veux dire? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça? Noble? Amicia! Ça veut dire quoi, ça? J'ai froid. Noble, regarde-nous bien. On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi? Qui c'est qui va nous payer, alors? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion.
Oh ouais, une discussion avec l'autre surtout. Je garde tourner sa veste. Je voulais faire une capture, j'ai pas le temps. Alors, tu vois quelque chose ? Non, c'était rien. Hé, hey, les gars ! Par ici, venez m'aider ! Où ça va ? Ça va dehors. Oui, mais dehors où ? Fais-moi confiance. Et ton frère ? Il aurait déjà dû être là. Désolé. L'enterre pas trop vite. Ouais, j'attends l'ambiance. Merde, restez baissé. Il a un casque. Oh, des Vorantis. Quoi ? Des Vorantis. Salpêtre et alcool. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. Hein ? D'accord. Stylé. Vas-y, vise le casque. Par la deuxième. Défonce-lui la tête avec une pierre. Allez. Je vous avais dit que je vous aurais. Dans ta gueule. Bien fait pour cette rogne. Ça fait du bruit. Dis donc, t'es pas un peu rabat-joie, toi ? Ça marche, pas de problème. Si j'ai pas fini le live. Merde, regarde. Il y en a un avec un casque. Tu sais quoi faire. Face oui. Moi, j'hésiterai pas. Tu sais où sont les pierres aiguisées ? Dans une des caisses. Mais c'est un bordel là-dedans. Quelle est que... J'aime ça. S'il y en a deux, toujours efficace. On doit sortir de là. Faut retrouver la queue-duc. Je sais. Tout ombrage. Par là. Suivez-moi. Oh non. Je le savais. Mais il y en a partout. Vous voyez la R s'éclairer là-bas. Pour un sanglier. Bon. Mais Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Pour vos Hugo, sangliers. Après le fiasco, tu surveilles la zone. Pas un bruit. D'accord. Entendu. Tuez les autres. Ils me cherchent encore. Il a un casque ou pas ? On va vérifier ça comme... Oh oui, il a un casque. Par là ! J'ai trouvé ! Tiens, dans ta gueule ! Fous-moi ça, ouais. Thank you.
pour le moment on s'en sort. Ah mais t'y étais toi. Paraît que les gamins ont foutu un sacré bordel chez les Anglais. J'avais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les deux runes. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Merde. Merde, merde, merde. Oh, Ellie, je suis... Non. Putain. Ah, je peux rien faire. C'est quoi ça? Chopez-moi ça! Ça c'est pas bon. Oh putain! Je me suis fait déglinguer. J'avais pas vu que le deuxième avait un casque. J'aurais pas dû faire ça. Sacré bordel chez les Anglais. L'avantage c'est qu'on revient là. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Un jeune voleur qui aidait les deux runes. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Elles l'ont chopé, ces enfants. Hein ? Ils l'ont chopé. Étrange. Mal de là. Ça c'est fait. Avec le rire de psychopathe qui suit derrière. Bon. On y arrive. On y est presque. La R s'est fermée. Il y a toujours une porte plus discrète. Ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, votre Altesse. C'est que c'était fermé, jupe. Prends une paire de claques, elle. Peste. Voilà. Allez, avance. Qu'est-ce que vous allez me faire? Attention, c'est Lucas. Le chariot de ravitaillement arrive bientôt. Ils t'amèneront en ville au bastion de l'Inquisition. Amicia, le dévorantis, il t'en reste? Non! Alors fais-en! Vite! Ça a claqué là, non? Hé! Hey, arrête! Lucas! Je suis tellement content de vous revoir. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hé, hey, je t'entends. Et toi, Lucas? Ça va? Hé, hey, ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer? Vous en pensez quoi? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez, l'aqueduc continue par là. Pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Oh non, t'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. Qu'est-ce que c'est? Un accident. C'est un chariot de l'Inquisition. Les rats. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère, Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Salpêtre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Il est où? Ah là, je l'ai pas vu. Lance-le sur les rats. Pas mal. Ah, ça pique les yeux.
Ils ont été pulvérisés. Lucas, le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, c'est logique. L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la Macula sans l'aide de textes alchimiques. Je ne sais pas ce qu'ils mijotent, mais... En tout cas, ces chariots nous seront... Bon, je peux rien faire. J'ai eu pas mal de matos qui va beaucoup servir. La Cuduc, on arrive. Enfin. La Cuduc. On va enfin savoir. Je vais t'aider à monter. Ouais, yes. D'accord. On va monter sur l'aqueduc. Hugo, on dit aqueduc. Oui, l'aqueduc. Aqueduc. Aqueduc. Ouais, je répète la même chose, c'est ça le pire. Bon, Mais allez. Où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. T'as l'œil. Forcément, c'est elle qui va monter en première. Ben voilà. Vas-y, monte. Bravo. Oui. Quelle courtoisie. Quoi? C'est tout? Y a rien ici. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non, non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Ah mais t'es cool, quelque chose bien. Comme ça. Moi je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. À l'abri. Qui passe en premier? Bien vu. Moi, vas-y. Amicia? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Oh, stylé! Ah, j'adore! Ah, je fais une capture. Oh! Eh ben, est-ce que c'est la mer? Non, juste une poche d'eau souterraine. Hé, il y a un ponton. Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. Alors, réfléchissons. Qu'est-ce qu'on peut faire? Descendre peut-être. Peut-être ici, non? Je me mets toujours en avant, il est chiant. Ah, on a trouvé. Bravo. Un bac à trail. Un quoi? C'est une barque tractée par une corde que l'on tire à la main. Il y a une manivelle. Un bac à trail. J'ai un truc qui brille là. Tu m'aiderais avec ça? Ouais. Cet endroit est incroyable. Ouais, c'est pas mal. Dommage qu'on ait pas de vin ni de fromage. Pas mon ça aurait pas été pas une très bonne idée, oui. Ça tiendra pas tout seul. Traversez avec Hugo. On vous rejoindra. Tu es sûr? Ouais. Il y a de la place que pour deux. Mélie, tu peux le faire? Lucas! Viens faire ta part au lieu de roupiller! Oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de...
tous vivent dedans. Elles doivent avoir froid alors. Tu sais, il y a longtemps, père m'avait emmenée au lac de Tours. J'avais glissé dans l'eau, et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend que vous. J'y vais ? Oui, vas-y, monte. J'espère qu'ils savent nager. Y'a que t'as la plate pour deux, se fout pas de notre gueule. Accrochez-vous. Y'a plein de place. C'est parti ! Wow ! Je vois pas de poisson. Oh, ça c'est à cause du monstre. Hein ? Un monstre ? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Bon, on va les aider. Évidemment, il manque un truc. Il n'y a pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas ? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. À votre tour ! On arrive ! C'est bon, vous pouvez lâcher. Pas trop l'autre. Je suis désolée de vous avoir menti. Amicia et Hugo allaient peut-être mourir et j'avais peur. Je... T'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Entendu, il n'a pas demandé mon avis, lui. Oh, c'est fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous. C'est fait. Ouais. Allez, on y va. Pardon. Oh, et voilà, ça recommence. Ils m'avaient pas manqué, eux. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est... Non, pas possible. Je dois voir... Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas ! Celui-là, dans l'autre sens. Du calme. C'est un système de défense. Comme un château ? Comme un piège à rats, qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche ? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça ? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas. On regarde. Viens, Mélie. Pendant que les hommes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça ? C'était... Peut-être des chevaliers ? Allez, à la fosse. Je dois passer de l'autre côté. Des artisans, bon, allez, venez. Oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, ils sont pas là depuis longtemps. Et ça... Ça me discuté, lui. La blague, je pensais que j'allais aider le gamin. Je suis dégue.
Bien. Je m'occupe de la porte. Allez, passez, bande de feignants. Pas à dire, c'est efficace leur système. Parfait. Allons-y. Suis-moi. Jusque-là, tout va bien. La bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Toute la fin d'un chapitre. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Il est là ! Le château ! Pas mal ! Wow. Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Il est superbe. J'ai douté à un moment, mais ça... Ça, c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. Putain, j'attends de l'éclair. J'aurais dû faire une capture avec l'éclair. La blague. Oh, des rats. Je vois pas. Je vois pas comment. Wow. Ça. L'éclair. Ils ont. Essayons. Vous rigolez. C'est ma faute. J'ai pris trop de temps. Allez. Maintenant, courez ! C'est de la folie ! Traîne pas trop, parce que là, ça devient de la folie si tu traînes trop. Plus jamais. L'habitation. Je crois que t'auras pas trop le choix de recommencer. Mais ici, trop loin. Coronet, c'est le moment. Allez, allez. Trop loin pour passer en une seule fois. Ça devrait aider. Tu t'en pas. Je vais t'aider. D'accord. On s'en sort bien. Tout le monde va bien. J'ai fait folle pense qu'on voulait aller. On l'a vraiment fait. On a réussi. On y est. Regardez-le. Le château d'ombrage. Wouah. Il est encore plus... Wouah, stylé. Go d'ici. Entrons vite. J'ai toujours adoré ce genre de truc. Wow. Incroyable. La tour là-bas, ce sont les quartiers d'habitation.
doit avoir plusieurs siècles. Ça a l'air d'être au sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Déjà ça. Elle est fermée. Comment ça ? Tu veux bien y aller ? D'accord. Elle est pas toute jeune, cette serrure. Oh, il y avait quelque chose de vivant là-dedans. C'est ouvert. T'en as rien à foutre. Ils se sont tous donné rendez-vous ici, on dirait. Comme ça, on pourra faire bouger les rats. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Mélie ? Du moment qu'on les dégage. Allez. Le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, ils changent d'enceinte. L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier, parce que les rats sont ton rayon. J'ai compris. Essayer d'accéder à l'autre côté. Je vois où. On va tester. Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Ne bouge pas. Je reviens. Tu peux venir. J'arrive. Ma gueule ou quoi ? Arrive, mon cul ! Ah ouais, putain. Pourquoi elle bouge pas ? Elle abuse. J'arrive ! Ouais, t'arrives vachement, ouais. Le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Deux filles contre des milliers de rats. Regarde, ils changent d'enceinte. L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier. En fait, j'aurais dû l'attendre, je suis parti trop vite. C'est ton rayon. J'ai compris. Reste ici, je fais vite. C'est bon. Tu peux venir. À tes ordres. Allez, je suis avec toi. Parfait, je me sens déjà mieux. Je vais avoir besoin de Mélie pour le pousser. Hé, hey, regardez ça. Oh. Je comprends mieux pourquoi le bouger. Bon, il y a
n'a plus de doute sur l'utilité de la fosse. Le brasier revient tout seul. Mélie, tu peux venir? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas. Regarde-les. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. Alors, arrive. Bon. Cela aussi doit finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. C'est ma vie que je mets entre tes mains, là, hein? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête. La routine. Ça va pas. Ça, c'est les étages du pied. C'est que ça, quand ça part tout seul. Je pense qu'elle va le tenir, elle. Charger. Ah, si, ça bon. Marche. C'est bien ce qui me semble. Ça manque d'entretien. Être en bas peut-être. Ça va. C'est juste que je me chauffe. Je suis au maximum. Alors, je vois d'autres brasiers. Je peux monter sur le rempart. Eh ben vas-y. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. L'enceinte extérieure. Ils vont venir vers toi. Attends, mais il y en a tellement. On n'arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. Dernier secteur maintenant. Je dois retourner à l'échelle. Bonne chose de faite. Il y a encore des rats en bas. Je vais avoir besoin du brasier. Bon, et ben c'est reparti. Vous vous en sortez? Alors on y retourne. Comment ça va, Hugo?
couvre nos voies. Te touche moi à la tour. Bonne chance. Quand tu veux. Le pont, on ferait mieux de le baisser. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la discrète conquis le château d'Ombrage. Oh là, t'as trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends. Oula, c'est quoi ça? Ça va aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Trouve toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château. Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter? Ces saletés de rats sont partout. Très drôle. On y va. Ça y est, la vermine arrive de mon côté. Je vais avoir besoin de toi. J'arrive. Bon, on est reparti pour un tour. C'est comme ça qu'on conquiert un château. C'est comme ça qu'on tombe malade. Non, pas dans ma version de l'histoire. Allez, on arrive à la fin du truc. Il va falloir partir là, je... Je dis pas de bêtises. C'est ça. Allez, allez. On y est presque, putain! Et c'est sur ces nobles paroles qu'elles s'apprêtèrent à récupérer ce qui leur revenait de droit. Un vrai foyer. Arrête ça. Allez, je suis sûre qu'il y a une cave pour toi, ici. Amicia, c'est pas si simple. Tu me connais pas. D'accord, j'ai compris. Reculez devant Amicia l'Amazone et Mélie la Furie. Quoi? Mélie la Furie? Je t'avais dit que tu me connaissais pas.
Voilà, on se retrouve dans la fosse. On est bien. On a réussi. On les a repoussés. Le château nous a sauvés. Oui. Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour. C'est parti. Venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Voilà. Bon, on a fini le chapitre 7. Il était sympa. Ah non, 8 déjà. Bon, ok. Bon, il était sympathique. Il était super sympathique. J'ai adoré. On voit qu'il faut parfois, c'est quand même bien réfléchir. Mais bon, c'est cool. Il est cool le jeu, j'adore. Ah non, on a fini le 7. Là, on arrive au 8. Non, c'est bien ce qui me semblait. Donc, on était bien au chapitre 7. Là, on est dans le chapitre 8. Mais on le fera demain. Demain, je ne serai pas là. On fera ça dimanche. Lundi, peut-être. Ouais, lundi plutôt. On fera ça lundi. Juste la cinématique. Tu faisais un cauchemar. T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Voilà. Allez. Bon. Mais c'est quoi ce bruit? On va arrêter c'est là. Lucas. Voilà, on va s'arrêter là. Aujourd'hui. Donc on fera la suite de la plaque ta innocence lundi. Si pas d'imprévu, normalement c'est lundi. Sur ce, j'espère que ce live vous a plu et que vous avez bien apprécié durant ces trois chapitres, pardon. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée. Et je vous donne rendez-vous ce soir également pour Resident Evil 1 à 22h30 heure française. Et sur ce, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée et encore merci. Ciao !